Oh, elle est magnifique, Zou. Toi aussi, tu as peint quelque chose, Elsie? Un tigre. Dis donc, il a l'air drôlement féroce. Vous avez entendu? Oui, ça venait du parc. Si on allait voir ça de plus près. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a un concours d'art plastique. Il y a plein de gens là-bas. C'est peut-être pour le concours. Vite, allons enquêter. À l'occasion du 100e anniversaire de notre merveilleux parc, nous avons décidé d'organiser un grand concours d'art plastique que nous avons appelé de l'art au parc. Dans son œuvre, chaque artiste devra mettre en valeur le parc. L'œuvre d'art gagnante sera exposée dans une des galeries du musée de l'hôtel de ville pour que tout le monde puisse l'admirer. J'adore les arts plastiques. Si on participait à ce concours... Oh oui, j'aimerais tellement avoir une de mes peintures exposées. Maman! Maman! Oh, bonjour, Tante Zelda. Bonjour, Zou. Maman, regarde la peinture que j'ai faite. C'est vraiment excellent, Zou. J'adore toutes ces couleurs. Tu sais, Zinnia est particulièrement douée en art plastique. Elle est même la première de sa classe, n'est-ce pas, ma chérie? Il va y avoir un concours d'art au parc. Je veux y participer. Le gagnant aura son œuvre au musée. Un concours, tu dis? Moi aussi, je veux y participer et avoir une peinture au musée. On peut rentrer à la maison, maman. Il faut que je commence mon œuvre. Bien sûr, ma chérie, allons-y. Tu as raison, il vaut mieux que tu commences dès maintenant plutôt que d'attendre le dernier moment. Je pense que beaucoup de gens vont participer à ce concours, Zou. Tu as déjà une idée de ce que tu veux dessiner? Laisse-moi réfléchir. Une peinture, ce serait bien. Qu'en dis-tu, Puck? Bonjour, jeune Zou. Qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? J'ai besoin de peintures de couleurs vives, Monsieur Zoé. Fais ton choix. Tu veux peindre quelque chose de spécial? Oui, je veux faire une peinture pour le concours de l'art au parc. J'ai vraiment, vraiment, vraiment envie de gagner. Un concours? Oh, chouette! Je veux participer. Et gagner un prix. Zach adore les concours. Tout le monde veut participer au concours, Puck. Alors pour gagner, il faut que je fasse la plus belle peinture du monde entier. Tu peins la fontaine? C'est ce que j'ai fait. Regarde. Mais je n'ai pas réussi à peindre les papillons. Ils n'arrêtent pas de bouger. La peinture de Zinnia est fantastique, non? C'est pas étonnant, elle est première de sa classe. Je ne peux pas présenter la même chose que Zinnia. Il faut que je trouve une autre idée. Tu as encore le temps de peindre autre chose, Zou. Mais il y aura déjà plein de peintures. Alors, si je veux gagner le concours, je dois faire quelque chose de différent. J'ai une idée. À la place d'une peinture, je peux faire une sculpture. J'en ai déjà fait à l'école. Ce sera super. Zach a vraiment fait du très joli travail avec cette sculpture. Qu'en pensez-vous? Oui, elle est très réussie. Oh non. Et toi, Zou, qu'est-ce que tu as choisi? Moi, j'hésite encore. Allons-y, Zach. Zou a probablement encore beaucoup de travail. Si Zinnia a fait une peinture et que Zach a fait une sculpture, qu'est-ce que je peux faire? Il me faut un truc auquel personne n'aura pensé. Hmm.
Qu'est-ce que c'est, papy? Oh, ce ne sont que de vieilles poteries cassées. Ça fait sûrement des années qu'elles ont été enterrées. Il y en a vraiment beaucoup. C'est comme s'il y avait une mosaïque romaine sous le jardin. Je ne pense pas que ces poteries datent de la période romaine. Une mosaïque, ce sera parfait. J'ai appris plein de choses sur les Romains à l'école. Ils faisaient des dessins en mosaïque avec des petits carreaux de couleur. Et avec mes gommettes, je peux faire pareil. Coucou Zou. Ah, salut Elsie. Regarde, j'ai fait ça. C'est une mosaïque. Tu sais, comme celle que les Romains fabriquaient. C'est vraiment très joli, Elsie. Je n'ai pas mis les papillons. Ils se sont envolés quand je me suis approchée. Est-ce que tu as fini, toi? Non, je ne sais pas quoi faire. Dépêche-toi, Zou, c'est demain le concours. On se voit là-bas? Oui, on se voit là-bas. Il reste forcément une technique que personne n'a utilisée. Zou, tout le monde veut voir l'œuvre que tu vas présenter au concours de demain. Mais je n'ai rien à présenter, papy. Je n'ai que des choses à moitié terminées. Et je ne sais pas ce que je pourrais faire d'autre. Et si tu essayais d'utiliser toutes tes œuvres ensemble, tu peux faire un collage. Mais ce ne sera pas joli. Tu peux essayer, tu es un artiste après tout. Ah, allez, Zou, montre-nous. Et voilà. Alors, qu'est-ce que vous en dites? C'est censé être un paysage extraterrestre. Ah oui, on dirait des arbres martiens. C'est excellent, car c'est une création très originale, inspirée par tout ce que tu as vu dans le parc. Oh, bravo, Zou. Bienvenue à notre grand concours de l'art au parc. Je suis sûr que vous attendez tous de vous joindre à moi pour féliciter tous les artistes qui ont participé à la compétition. Avant que je n'annonce le grand gagnant, je vous rappelle que son œuvre sera exposée dans notre musée. Ce n'est pas de l'art, ça, Zou. Maintenant que tous les concurrents sont présents, je vais pouvoir vous annoncer les œuvres que notre jury a sélectionnées. Quelle imagination! C'est gentil, Elsie. Et maintenant, mesdames et messieurs, voici le moment que vous attendez tous. Je crois qu'il va annoncer le gagnant. Le troisième prix du concours de l'art au parc est attribué à... Jacques! Youhou! À la deuxième place, Elsie. Je suis deuxième. Et le grand gagnant dont l'œuvre sera exposée au musée pour que tout le monde puisse en profiter est... Zinia. Je suis la meilleure, je suis la meilleure, je suis la meilleure. Est-ce que ça va, Zou? T'inquiète pas, papy. Je ne pensais pas gagner. Alors, tu sais, c'est pas grave. Moi, j'aime mon œuvre. Et tu n'es pas le seul. Regarde. Waouh! C'est drôlement joli. Les papillons ne s'en vont même pas. Ils adorent ton collage. Zou, le gardien du parc demande s'il peut garder ton collage. Comme ça, les papillons pourront en profiter et tout le monde pourra les admirer en train de voler dans le parc. Et on pourra venir dessiner les papillons quand on voudra. Oui, et en plus, tout le monde pourra voir mon œuvre. C'est encore mieux que si elle était dans un musée. Youpi! Rires.
Zou, musicien. C'est très bien, Zou. Et maintenant, la gamme de Do. Oh, ce n'est pas grave. C'est normal de faire des fausses notes quand on apprend, Zou. Allez, recommence. Tu vois, c'était très bien cette fois. Bon, maintenant, nous allons étudier un tout nouveau morceau. Oui! Merci, Zou. À ton tour maintenant. Je ne jouerai jamais aussi bien que toi. Bien sûr que si. Peux-tu me dire quelles sont ces notes? La, mi, ré, si. Et voilà. Maintenant, tu n'as plus qu'à les jouer. Vas-y, c'est à toi. Bravo! Bon, je pense que ça suffit pour aujourd'hui. Quoi, déjà? Allons, ne t'inquiète pas, on reprendra demain. J'ai hâte de recommencer. J'adore jouer du piano. C'est mon instrument préféré. Oh, oh, j'en suis ravie, mon petit Zou. Moi aussi, ça a toujours été mon instrument préféré. À plus tard, Nanou. Au revoir. Qu'est-ce que c'est, papy? Ah, Zou, tu tombes bien. Viens donc jeter un coup d'œil. Papy, c'est toi, là? C'est moi, quand j'avais à peu près ton âge. On dirait moi. Oui, c'est vrai qu'on se ressemble. Là, c'était un soir de concert. Tu as joué dans un groupe? Oh oui, et ton papy était un excellent trompettiste. On s'est beaucoup amusé. Est-ce que t'as toujours ta trompette? Et je pense que oui. Elle est probablement quelque part dans le garage. Ouais, on peut aller la chercher? Ah, où ai-je bien pu mettre cette trompette? Oh! Elle n'est pas là. Oh, regarde mon ballon de basket! Oh, toi, tu es doué pour retrouver tes affaires. Ah, il est lourd! Ah! Ma trompette! Waouh! Tu peux me jouer un air, papy? J'espère que je n'ai pas tout oublié. Je suis sûre que non. Pourquoi est-ce que tu fais cette grimace? Je gonfle mes joues pour prendre de l'air, mais il faut souffler bien fort pour jouer de la trompette. Super musique, papy. Je peux essayer? Bien sûr. Mais tu sais, au début, ce n'est pas facile. Ne t'inquiète pas, j'ai vu comment tu faisais. Oh, mais j'ai fait exactement comme toi. Ah oui, mais pour jouer de la trompette, tu dois apprendre à souffler dedans correctement. Mais ce n'est pas ce que je faisais? Presque, Zou, mais pas tout à fait. Viens avec moi. À ton tour, Zou.
Ah. Oh, c'était trop facile. Il va nous falloir une balle plus lourde. On peut prendre mon ballon de basket? Bonne idée. Tu peux déjà préparer la trompette. Oh? C'est ça. Maintenant, essaie de souffler un peu plus fort. Bravo, Zou! Et maintenant, essayons avec la trompette. Tu relâches bien les épaules, tu te décontractes et tu souffles très fort dans l'embouchure. Youpi, j'ai réussi! Oh, bravo, Zou! Je crois que cette fois, tu as pris le coup de main. J'adore la trompette. C'est mon instrument préféré. Ça me fait très plaisir. Et maintenant, je vais t'apprendre un petit air. Écoute attentivement. Wow. Ah. Puis-je me joindre à vous? Je ne savais pas que tu avais une guitare, papa. C'est vrai que je n'en joue pas souvent ces temps-ci. Je peux l'essayer? Mais bien sûr, mon chéri. Je ferais mieux de prévenir les autres que nous avons un rocker dans la famille. Wapapa, doubidoubidouba, wapapa, doudoudou. Je vais te montrer comment on joue. Pince les cordes comme ça. Et gratte. J'ai réussi. Bravo, tu es un excellent guitariste. J'adore la guitare, c'est mon instrument préféré. Wapapa, doudoudoubida. Wapapa, wapapa, doubidoubidouba. Wapapa. Est-ce que notre rocker a besoin d'un accompagnement? Hé, qu'est-ce que c'est, maman? C'est un tambourin, Zou. Ça fait un son génial. J'adore le tambourin. C'est mon instrument préféré. Ah tiens, je croyais que c'était la guitare. Et moi, je croyais que c'était le piano. Et moi, je croyais que c'était la trompette. Oui, mais... je ne sais plus quel instrument je préfère. J'aime vraiment beaucoup la trompette, papy. Et la guitare. Mais j'aime aussi le tambourin, maman. Et j'adore jouer du piano. En fait, je crois que je les aime tous. Je sais, je vais jouer de tout en même temps. Comme ça, pas besoin de choisir. Pas que ce soit une bonne idée. Désolée, maman, mais je ne t'entends pas. Zou, le zèbre orchestre, est en pleine répétition. Bon, pas question de rappeler à Zou qu'il a un tambour. Sinon, ça risquerait de devenir son nouvel instrument préféré. Qu'est-ce que tu as dit? Rien, mon Zou. J'ai rien dit du tout. D'accord, maman. Thank you.
je croyais que tu voulais être policier plus tard. Plus maintenant. Je veux être astronaute et partir à la conquête de l'espace. Tiens, qu'est-ce qui se passe dans le parc? Ils préparent le concours de danse. Bonjour. Il y a un concours de danse? Oui, tu ne le savais pas? Il a lieu ce samedi. Ne compte pas sur moi. S'il y a un métier que je ne veux pas faire plus tard, c'est danseur. Au revoir, Elsie. Au revoir. C'est vraiment gentil à toi de t'occuper de Zinnia. Elle sera bien sage, n'est-ce pas, ma chérie? Elle est tellement adorable. Oui. Malheureusement, les petites filles, même très bien élevées, ne sont pas invitées au déjeuner organisé par Monsieur le maire. Bonjour, maman. Devine ce qu'on a fait à l'école. On a étudié les planètes et l'espace et les astronautes et... Oh. Bonjour, tante Zelda et oncle Xavier. Salut, Zinnia. Coucou, Zou. Maintenant que notre petit Zou est là, vous allez pouvoir vous amuser tous les deux. Allez. Oui, il ne faudrait pas faire attendre Monsieur le maire, n'est-ce pas? Au revoir, ma chérie. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Amusez-vous bien. Merci, au revoir. Alors, Zinnia, qu'est-ce que tu veux faire? Oh oui, on pourrait jouer au monstre de l'espace. Moi, je serai le brave aventurier. Et toi, tu serais la créature gluante de la planète Garg. Moi, je veux m'entraîner à danser. À danser? Oui, je me suis inscrite au concours. Et c'est moi qui vais gagner. C'est papa qui l'a dit. Pointé, plié, pointé et fermé. Pourquoi tu n'essaies pas? Moi? Danser? C'est pour les filles, la danse. Les garçons aussi dansent. Tu ne connais pas Rudolf Zebraïev? Non. C'est un danseur de ballet russe célèbre dans le monde entier. Oh. Pointé, plié, pointé, plié et fermé. Zou, la danse, ce n'est pas de la rigolade. Mais je ne me moquais pas de toi, ni de ta danse. Et puis moi, si j'en faisais, je suis sûre que je danserais bien mieux. Oh. Eh bien, si tu es aussi douée que tu le dis, pourquoi tu ne t'inscris pas à ce concours? D'accord, je m'inscris. Génial, formidable. Zou va s'inscrire au concours de danse. Et pointé, pointé et Merci mille fois de t'être occupée de Zinnia. Au revoir. À bientôt. Zou, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air contrariée. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Je refuse de mettre un tutu. Tout le monde va se moquer de moi. Et en plus, je ne sais pas danser. Pointé, plié, pointé, pointé, plié. Oh, mon Zou, tu ne crois pas que tu aurais dû y penser avant de dire n'importe quoi à Zinnia? Chouette! Cet après-midi, je vais jouer au foot au parc. Hein? Oh non, c'est vrai, il faut que je m'entraîne pour le concours de danse. Oh! Bonjour, mon Zou. Alors, comment va mon petit danseur ce matin? Danseur? Je ne savais pas que tu t'intéressais à la danse, Zou. Pas du tout. Seulement, j'ai dit que je participerais au concours de danse. Et du coup, je vais être obligée de porter un tutu. Bon, mais comment en es-tu arrivée là? Zinnia a dit qu'elle était la meilleure et qu'elle allait gagner. Et je crois que Zou n'a pas réfléchi avant de parler. Et il s'est inscrit lui aussi à ce concours. Ce n'est pas drôle du tout. Tout le monde va se moquer de moi avec mon tutu. Tu n'es pas obligée de porter un tutu. Tu n'es pas obligée de faire de la danse classique. Justement, si. Zou, j'ai lu un article dans le journal à propos du concours. Ce n'est pas que de la danse classique. Tous les styles sont acceptés. Et je parie que nous pourrons en trouver un qui te conviendra parfaitement.
Viens, je vais sortir mon vieux gramophone et on va y réfléchir ensemble. D'accord, je veux bien essayer. Alors... Ah. Bien, maintenant, voyons voir. Et voilà. Alors, qu'en dis-tu? Pas mal. Ça ne ressemble pas du tout à la danse classique. J'espère bien. Vois-tu, c'est ce que j'appelle ma danse excentrique. Bon. Et si tu essayais pour voir? Bon, d'accord. Hein? Oh! Zou, est-ce que ça va? Oh, je suis sûr qu'avec un peu d'entraînement, tu te débrouilleras très bien. Zou, tu peux baisser un peu la musique? Elle me gêne, je m'entraîne pour le concours de danse de samedi. Oh, toi aussi tu t'es inscrite? Oui, mais je ne suis pas satisfaite. Je n'arrive pas à danser correctement. Mais attends une minute, tu t'es inscrite au concours? Mais tu m'avais pourtant dit que tu ne voulais... Hé, j'ai changé d'avis. Mais je ne suis pas très douée pour danser non plus. Eh bien, si vous n'êtes pas satisfait de ce que vous faites chacun de votre côté, pourquoi ne dansez-vous pas ensemble? Et d'ailleurs, je crois que j'ai exactement ce qu'il vous faut. Est-ce que c'est de la danse classique? Bien sûr que non. Suivez-moi. Mamie et moi, nous allons vous montrer. Chouette! Waouh, vous êtes très doué. Oui, alors toi aussi, mamie, tu sais danser? Coquin. Bon, tu veux essayer, Zou? D'accord. Voilà, c'est ça. Gauche et droite et gauche et droite et ensuite tourne. Gauche et droite et gauche et droite et ensuite tourner. Bravo les enfants, bravo! Eh bien, je crois qu'ils sont prêts. Oui, et je pense qu'ils vont faire un triomphe au concours. Bienvenue à notre grand concours Danse dans le parc. Pour commencer, je vous demande d'applaudir bien fort Zach Zoé. Merci d'accueillir notre deuxième participante, Zinia. Et maintenant, pour finir ce concours en beauté, voici Zou et Elzé. Oh, oui, bravo.
En l'absence de Monsieur le maire, qui ne peut malheureusement pas être des nôtres aujourd'hui, c'est moi qui vais remettre le premier prix du concours de danse à Zinia. Oui. Bravo à toi aussi, Zou. Elsa et toi, vous avez assez bien dansé. Merci, Zinia, mais tu sais, la prochaine fois... Zou, la prochaine fois... Je me contenterai de jouer au monstre de l'espace. Mais danser, c'était rigolo. Oui, bravo, les enfants. Zou et les artistes. Pourquoi on peint le garage de la même couleur qu'avant? Eh ben, il faut le repeindre environ tous les 2 ans pour qu'il reste bien étanche. Oui, mais pourquoi de la même couleur? Pourquoi pas rouge ou bleu ou vert? Eh bien, parce qu'il me restait de la peinture de cette couleur. Mais peut-être que la prochaine fois, on pourrait le peindre d'une couleur plus vive. Avec des rayures? Oui, ou des pois, ou des grands carreaux. Oh, zut, voilà qu'on n'a plus de peinture. Oh, et dire qu'on avait presque terminé. Bon, ben tant pis, il ne nous reste plus qu'à aller acheter un autre pot chez Monsieur Zoé. Allez, viens, Zou. Hé, hey, Poc, peut-être que Monsieur Zoé te donnera des graines. Hein? Papy, la maman d'Elsée. Hein? Tu crois qu'elle voudrait venir avec nous? Non, papy. Mais c'est une artiste. Elle a plein de peintures. Elle en aura sûrement de la bonne couleur. Je vais lui demander. Bonne idée, Zou. Et pendant que tu es là-bas, moi, je vais me faire une bonne tasse de thé. J'en ai bien besoin après tout cet exercice. Je crois que Poc est un peu déçu. Il se voyait déjà en train de manger des graines. Désolée, Poc. Ça fait du bien de s'asseoir un peu. C'est du travail de peindre. En tout cas, tu as presque fini, mon chéri. Désolée, papy, la maman d'Elsée n'est pas là. Finalement, on va devoir aller chez Monsieur Zoé. On dirait bien que cette tasse de thé va devoir attendre un petit peu. Il ressemble plutôt à une vieille perruque grise, ce nuage. Bonjour, Madame Zoli. Bonjour, Zoé. Où vas-tu comme ça? Chercher de la peinture. On allait demander à la maman d'Elsée. Mais elle n'était pas chez elle, alors. Oh, si tu cherches la maman d'Elsée, je l'ai vue se diriger vers le parc avec Elsée il y a un petit moment. Je pense qu'elles allaient faire de la peinture. De la peinture au parc? Oh, merci, Madame Jolie. Allons la chercher, papy. Je te donnerai des graines tout à l'heure, Poc. Bonjour, Elsée. Bonjour, Zou. Oh, regarde, c'est le petit voisin, l'ami d'Elsée. Oui, et son adorable petit oiseau. Ça alors, on dirait que tout le monde peint aujourd'hui. Tout le monde? On peignait le garage, papy et moi. Seulement, on n'avait plus de peinture. Alors, on s'est dit qu'on viendrait vous en demander. Oh, bien sûr. Quelle couleur vous faut-il? Ça peut attendre que vous ayez fini ce que vous êtes en train de faire.
Eh bien, figurez-vous, les enfants, que la municipalité nous a demandé de faire des peintures de la ville. C'est pour les exposer à la mairie. Mais je crois que celle-ci va plutôt finir à la poubelle. On n'est vraiment pas au mieux de notre forme aujourd'hui, hein, Zygmunt? Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Regarde-moi ces fleurs, elles ressemblent à tout, sauf à des tulipes. Oh, c'est censé être des tulipes, ça? Je pense que je vais vous laisser travailler. Je n'ai toujours pas bu ma tasse de thé, moi. Nous avons du thé, si vous voulez. Oh? On en a de trois sortes différentes. Gingembre citron, pomme mangue... Et églantine, fruit de la passion, c'est celui que je préfère. C'est très gentil de votre part, mais si cela ne vous fait rien, je préférerais une tasse de thé tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Et la boire assis. Zou pourrait ramener la peinture quand il rentrera tout à l'heure. Zou, tu restes jouer avec moi? Je peux rester, papy? Mais bien sûr, mon petit Zou. À tout à l'heure, alors. Au revoir, tout le monde. Oui, à plus tard. Au revoir. Au revoir. À plus tard. Au revoir. Le petit oiseau lui a dit au revoir. Oh, c'est tellement mignon. Bon, alors, où en étions-nous? Et si on laissait ça de côté un moment pour manger un morceau? C'est une bonne idée, Zygmunt. Voulez-vous vous joindre à nous? Un pique-nique dans le parc? Avec plaisir! Désolée, mais ça m'étonnerait qu'ils aient des graines pour toi, Puck. Peut-être pas, mais il y aura certainement quelques miettes de sandwich. Alors, nous avons fait les sandwichs tomate fromage, beurre de cacahuète et gelée de framboise. Et bien entendu, des œufs durs. C'est ce que je préfère, avec une petite pincée de sel et une bonne dose de poivre. Oh non! Notre toile! Je suis désolée, je n'ai pas fait exprès. Ça faisait longtemps que je n'avais pas ri comme ça. Mais c'est incroyable ce que vous avez fait. Oh, on est vraiment désolé. Mais c'est merveilleux! Mais c'est bouleversant! C'est la plus belle peinture abstraite que j'ai jamais vue! Ah bon, c'est vrai? Mais votre peinture? De toute manière, on allait devoir tout recommencer. On n'arrivait à rien avec ce tableau, donc vous nous avez rendu un fier service! Merci beaucoup! comment dire? C'est plutôt coloré! Et c'est bien plus que coloré! C'est magnifique! Tu as peut-être envie de le rapporter chez toi? Ah oui, merci! Je sais exactement où le mettre! Oh, ça alors! Vous vous êtes donné beaucoup de mal! C'est un tableau magnifique que vous avez là! Oh, il n'est pas de moi! C'est Zou qui l'a fait! Avec l'aide d'Elzé! Et de Puck aussi! Eh bien, dites-moi, vous êtes de véritables petits artistes, tous les trois. Viens, Elzé, allons le montrer à papy. Au revoir. Au revoir. Eh oh, tout le monde, me voici. Ah, Zou, tu as la peinture pour le garage? Non. J'ai rapporté ça à la place. Oh, ça alors! Oh, mais quelle surprise!
surprise! D'où vient-il? Est-ce que vous l'avez emprunté au musée de la ville? Non, c'est nous qui l'avons fait. Et papy, tu te souviens qu'on avait parlé de donner un peu plus de couleur à notre garage? Eh bien, on peut dire que le garage est bien plus coloré à présent. Ça doit être le garage le plus gai de toute la ville. C'est absolument magnifique, les enfants. Pensez donc, mon petit Zou est un véritable artiste. Oh!